le messager de mon chèque de loyer. Je ne veux pas travailler pour être médaillé l'employé de l'année. Pour être médaillé l'employé de l'année. Au lieu du foie, on coupe notre souffle 30 heures semaine rien que pour la bouffe. Et le week-end, c'est le pire. Tu dépenses tout afin de t'évanouir. Mais quand t'as tout su finir, de retour à la chaîne du lundi au vendredi. Ouais, de retour à la chaîne du lundi au vendredi. Mais je ne veux pas travailler, être le messager de mon chèque de loyer. Je ne veux pas travailler pour être médaillé l'employé de l'année. Être médaillé de l'employé de l'année. Plus de boulot, moins de repos, 50 semaines au bout du rouleau. Explique-moi cette routine. Quand est-ce qu'on goûte à la vie derrière cette vitrine? Je rêve d'un jour d'être à l'air libre. Mais le cadre de ma fenêtre n'est pas assez pour sortir. Le cadre de ma fenêtre est trop petit pour grandir. Et on nous dit de travailler. Et on exige de travailler. Et on se dit de se fatiguer. Mais le monde est fatigué. Seulement travailler, cultiver ma terre, récolter et semer. Je veux seulement travailler, travailler pour vivre et non pour survivre. Travailler pour vivre et non pour survivre. Donne-moi du pain, je t'offre ma main, ainsi de suite tournera le moulin. De cette manière utopique, mon échappatoire et à travers la musique. Oh non, la soirée est déjà finie. De retour à la chaîne du lundi au vendredi. Ouais, de retour à la chaîne du lundi au vendredi. Mais je ne veux pas travailler pour être le messager de mon chèque de loyer. Non, je ne veux pas travailler pour être médaillé l'employé de l'année. Pour être médaillé l'employé de l'année. Mais je ne veux pas travailler pour être le messager de mon chèque de loyer. Je ne veux pas travailler pour être médaillé l'employé de l'année. Pour être médaillé l'employé de l'année.